Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Man voice shit. Bonjour tout le monde, c'est Calypso Overkill. Cette semaine, j'ai Alessio. Dans le deuxième épisode de Top ou Flop, on critique les looks de Drag Queen de RuPaul's Drag Race All-Stars Season 4. Et donc voilà, on va critiquer les looks. She's a meme. On va critiquer les looks en fait de nos queens pendant leur performance et ensuite on va critiquer leur le runway look. Ok, first group, don't funk it up. First queen, Gia Gunn. Gia! What do you think? J'adore sa wig blonde. Ah, une asiatique avec une wig blonde, c'est toujours quelque chose. I would know. J'aime pas trop l'espèce de jupe qu'elle enlève après pendant son reveal. C'est même pas un reveal, c'est juste qu'elle enlève. Donc c'est un top ou flop? C'est un top pour moi. I think it's basic, so peu importe. Enfin. Ok. C'est un flop pour moi. Next queen, Latrice Royale. Latrice Royale. What do you think? Talking about basic. C'est pas ouf quoi. I like it. Okay, it's basic. I love the wig parce que this kind of wig sur Latrice, j'ai jamais vu. Il y a la silhouette. J'adore les pattes d'œuf. Genre les pattes d'œuf, c'est toujours un yes pour moi. Oui. C'est I mean, she looks good. C'était moche, hein. Non, mais tu vois qu'il y a de... Non, mais I mean, c'est ba... Non, je trouve qu'il y a de l'effort quand même là-dedans. Dans son look. It's the small things. Pour moi, it comes together. Big hair, c'est pas comparé à d'autres queens qu'on va mentionner tout à l'heure. Pour moi, c'est un top. C'est un peu un flop, ouais. Ok, flop. Ok. Next queen, Manila Luzon. Oh, girl. Elle a raté son truc là. Hein. I'm rooting for her, mais franchement, genre flop as fuck. Ouais. I can't, surtout la wig, bitch. La wig est horrible. Mais vraiment horrible. On dirait une vieille art front à laquelle elle avait deux couettes vite teuf avant de monter sur scène. Yeah. Limite en train d'attendre de monter sur scène. De toute façon, elle a fait genre, allez, on va rajouter deux couettes. Oui, c'est ça. Et ouais, non, genre les tissus de son espèce de bustier, de ton de corset là, c'est un peu cheap, j'aime pas trop. I don't know. Les white stockings et. The wedge. Oui, et les chaussures là. Non, sorry, it's a flop for me. Non, vraiment, je l'aime vraiment pas. Next queen, Trinity the Top. Yes. Yes. Oui, c'est cool. I mean, c'est un top pour moi, c'est vraiment amazing, je trouve. C'est fully realized. Très bien. Top. Yeah. Top. Next queen, Valentina. What do you think? Ah, elle est tellement belle. Hein. La wig est incroyable. Yes. Son make-up est bon, impeccable. Et the baby hair. Booty. Yeah, padé. On est booty. Padé et cinché. Padé, cinché. Elle nous donne everything. Ses tétons sont floutés sur la vidéo. I live. Yeah, maybe it's only wardrobe malfunction. C'est genre. Oui, on voit ses tétons et du coup ils l'ont flouté dans la vidéo pour que ça passe à la télé, je crois. Ah. C'est trop drôle. Voilà. It looks amazing. Pour moi, c'est un top. C'est vraiment beau. Top. C'est genre. Pas pour danser, du coup, ma chérie, parce que ça tombe ton truc, mais pour faire la belle, ouais, grave. Non, top. Franchement, c'est un top pour moi. Top, top, top. Next group, everybody say love. Après Henny, everybody say love, Henny. First queen, Naomi Smalls. Naomi Smalls. I love this. J'adore son look. I love it. C'est brillant, la fourrure elle est fluffy, elle a l'air super propre, ça a l'air de sentir bon et tout. On dirait vraiment c'est un cotton candy. Cotton candy, exact. Oui. C'est la petite wig blanche, c'est hyper. Pussycat wig, c'est ça une pussycat wig. C'est vraiment beau. Ouais. Make-up super, enfin, ça va bien avec la tenue, genre vraiment top. Yeah, c'est un top pour moi aussi. C'est vraiment amazing. Et ça reste son brand. Oui. Next queen, Monique Hart. Monique Hart, what's with that makeup? I mean, it's always something with her makeup. Yeah, okay, what do you think? Le look. Basic. Le look, j'aime pas, c'est basic. J'aime pas du tout. C'est off the rack. Yeah. Ouais, non, c'est pas bien. Il y a une référence aux 90s, Laya, Aliyah. Oui, mais il y a rien qui va ensemble.
les chaussures. Oh god, des chaussures. Les chaussures sont hardcore. Elles vont pas du tout avec le reste de la tenue. Le pantalon, il est bouffant, pas beau du tout. Je sais pas, genre ça marche pas. Quoi. C'est le problème, je pense, avec Monique. C'est genre, elle a une idée dans sa tête, mais elle exécute mal. Oui, elle va pas au bout des choses, quoi. Ouais. Ça m'appelle quelqu'un. Ok, c'est un flop pour moi. C'est un flop pour moi. Ouais, et la wig est atroce. Oh, I can't. Genre, en fait, genre, elle avait une wig pendant la répète, j'étais là en mode. Ok, cute practice wig. En fait, non, c'est vraiment ça que je l'ai vu, j'étais en mode. Hini! What you do? What's up, girl? What's good? What happened? What's good, bitch? I mean, Pheromone, what do you think? Heureusement qu'elle a une belle wig. C'est pas joli son body, c'est censé être une nude illusion, c'est pas du tout la même couleur que sa peau. Mais tu sais, c'est ce qui aurait genre poussé ce look, les boots, pink boots. Oui, mais genre des jambières quoi, genre oui. Juste des cuissardes qui vont jusqu'en haut quoi. Oui, ça aurait été pull off the look je pense. C'est un flop pour moi. Ouais, flop. Next queen, Monet exchange. Monet exchange. What was she thinking? I don't even know. I mean, c'est drôle, sa performance est super bien, tu vois, mais. Yeah. Mais par contre, non quoi. Girl, no! On dirait que c'est la copine un peu teubée dans les séries girly américaines, tu sais. Oh oui. C'est quand même girl mode genre. Yeah. Hey, what's good? Ah, c'est un flop pour moi. C'est un flop horrible. The runway, le thème category is elegance after dark, meaning des robes. Élégance après l'ombre. Ce qui veut dire? Bah, moi, je ne sais pas, je ne parle pas très bien français. Bah, moi non plus. Hein. Okay, first queen, Gia God. What do you think? Alors, Gia God, le premier truc que je remarque qui me fait assez rire, c'est que j'ai l'impression qu'elle a fait stoner sa robe au même endroit que Jasmine Masters a fait stoner son costume. Pendant le talent. Ah oh, oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Mais voilà, et si, c'est un peu blend, moi je trouve. Ah, moi ce qui me dérange, c'est la silhouette de la queue. Ouais. On dirait qu'il y a un truc en haut, en fait. En fait, genre, il y a le petit... Que ça commence trop haut. Non, quand il... I don't... Tu vois, il y a... Ah oui, il y a une forme et ça tombe après. C'est vrai que ça passe une forme comme ça et pas bombée comme ça. Non, parce que... Ou que la courbe du... La courbe est... Soit, du... La courbe, elle change, ouais. Oui, la courbe est pas genre comme ça. Mm-hmm. C'est comme ça. Mm-hmm. Pour moi, c'est un flop. Even though she's gorgeous, c'est un flop. Pour moi, c'est un flop aussi. C'est trop tout ton sur ton. Il y a aucun détail qui vraiment fait la différence, je trouve. Donc, ouais. Yeah. Flop. Latrice Royale. Latrice Royale. J'adore le fait que tout soit noir et qu'il y ait juste sa cuisse orangée qui fait tout pop en fait. C'est pop of color. C'est vraiment super bien. Mm. J'adore. Petit détail de la fourrure sur l'épaule. Yeah. La forme de la robe est super élégante avec la petite partie vite fait mermaid tout en bas. Yeah. Là, c'est vraiment joli. Et elle est super. Elle est cinchée. Genre silhouette. Et j'adore la couleur de son teint, c'est trop beau. Hein. Yeah. Et genre, c'est ça en fait ce qui est une bonne silhouette pour l'actrice apparemment à son look d'entrée. Ouais. Parce que là, on voit quand même les formes. On voit les formes. Yeah, ça c'est vraiment amazing. C'est bien joli. Yeah, top. Top. Next queen, Manila Luzon. Ah! 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 Living. Ah! Elle nous donne tout là. Oui. Genre. Ah! Calypso can never. I mean, ah! Toutes les couleurs sont super bien choisies, tout va super bien ensemble. C'est en plus surprenant et super agréable de voir Manila dans une nouvelle couleur de wig. Oui, grey, my thing. I know, grey. Son maquillage est super beau. Yes. Elle est très féminine, sa wig est super belle, ça remonte, c'est super bien coiffé. C'est que des dégradés de gris, c'est très, très aérien avec toute la tulle qui sort de partout. C'est vraiment genre, you can. I mean, et la nude illusion sur ses sur sa c'est, sur c'est vraiment bras, nude illusion. C'est vraiment nude illusion parce que c'est quand tu regardes son cou et son maquillage, c'est vraiment la même couleur. Ouais.
Et les bijoux sont bien choisis, c'est beau, c'est génial. Top, oui. Top. Genre vraiment magnifique. Next queen, Trinity Taylor. Trinity the top. J'adore. Vraiment. C'est draping. The draping est vraiment. Le côté, tu as très construit de la robe, avec vraiment toutes les pierres. La forme, elle est quand même assez, elle a l'air assez rigide, quand même, cette robe, assez lourde. En même temps, le drapé qui donne un côté plus. Soft. Oui. C'est vraiment super. Ouais. Non, pas les mêmes, non. Mais c'est un peu le même défaut que Gia. Genre, tout est un peu ton sur ton. Par contre, la robe pop vraiment. Oui. Hein. Donc, du coup, c'est un top. Ok, c'est un top pour moi aussi. Next queen, Valentina. Valentina. I love it from de là à là. C'est tout. Moi, je trouve que la robe. En fait, la partie bustier est assez sympa. Genre je trouve que les détails des petites fleurs en volume sur le soutien-gorge, c'est joli. Son maquillage et sa coiffure et les fleurs dans ses cheveux, c'est magnifique. C'est très latina, c'est très elle, donc c'est très réussi. Mission accomplie pour elle. Par contre, je trouve que le tissu de la robe est la deuxième moitié. Pas ouf. Non. Et surtout, cette espèce de nœud derrière, ça crée. En fait, on capte pas vraiment que c'est un nœud et ça crée une forme belle, quoi. Oui. Et du coup, on se demande ce que c'est. On a l'impression qu'elle a une excroissance bizarre. Voilà. Un abcès au cul. Un abcès au cul. Concept. Donc, ouais, flop. C'est dommage, c'est flop. Next queen, Naomi Smalls. Love. This is her friend fashion. Yeah, her friend fashion called back. They're back together again. We love a reunion. Franchement, ce look slay, like chrome, metallic, the wig. C'est très moderne, c'est ce qu'on attend de Naomi Smalls en fait. Oui. Exactement ça. Oui. Genre, en fait, classique. Non, un thème classique, elle a ramené un look twist. Yeah. Et un twist moderne. Oui, et du coup, genre, au lieu d'une jupe normale, elle a fait une jupe avec des cercles, enfin, des paillettes, qui se dégrade en taille. Après, genre, il le boostier, genre, chrome et tout, long sleeves, les détails du truc sont là. Pas de poitrine. Like me. Donc, ouais, magnifique. Yeah, I mean. Bravo. Yes. Top as fuck. Next queen, Monique Hart. What do you think? Je suis partagé. Ah ouais, moi je trouve ça un peu basic. I mean, c'est cute le reveal, c'est cute les gants. Mais what throws me off is this en fait. Oui, son maquillage est pas joli et sa wig est pas belle non plus. Non. Mais, le truc qui me gêne, c'est qu'il y a trop d'idées dans ce truc. Yeah, c'est chargé. Il y a trop d'idées et il n'y a pas vraiment quelque chose qui fait que it makes sense, tu vois. Oui. Il n'y a rien qui unit le tout ensemble. À part la couleur, maybe. Et encore. C'est dommage, c'est un flop pour moi. C'est un flop, ouais. Next queen, Pheromone. Pheromone. What do you think? It's boring. Yeah. Le truc, c'est que tout le monde sait que c'est une nana qui adore le burlesque. Et du coup, qui va nous sortir des boas, des sequins, des wigs super bien coiffés, des bijoux, des beaux maquillages et tout, tu vois. Mais comme c'est Drag Race et que c'est le jeu, c'est un peu de sortir de ce qu'on a l'habitude de faire et d'essayer des choses nouvelles et de surprendre en fait. Et de surprendre même soi-même, tu vois. Et je trouve qu'elle essaye même pas en fait. Non, c'est un flop pour moi. Un flop aussi. Next queen, Monet Exchange. C'est mon problème dès le début avec Monet Exchange. Je trouve pas de taste là-bas. C'est dommage. Yeah. Mais c'est un flop, on a dit qu'on était intransigeante. Yeah. Mot de la semaine, intransigeante. Et du coup, the winner of this week is, spoiler alert, Valentina. De lip sync was tight. Yeah. En bleu, genre, comme elle a dit, genre. C'était vraiment, genre, à chaque moment, il y avait une qui faisait un truc où on se disait, genre, oh, c'est elle. La vapeur est renversée de son côté. Oui. Et après, l'autre sort un nouveau truc. Et du coup, tu fais, peut-être c'est l'autre. Oui, oui. Et finalement, à la fin, on est quand même d'accord sur que c'est. On pensait que c'était Valentina qui a gagné. Et c'est Valentina qui a gagné. Oui. Le deuxième épisode.
Ah, drama. Je pense que c'est la saison de All Star où genre elle va être connue pour le drama. C'est ça. Genre je pense que cet épisode a montré que en fait la couleur de la saison. Ils veulent montrer le drama quoi. Oui. C'est pour ça qu'ils filment tout le temps Gia d'ailleurs. Et qu'elle va sûrement rester jusqu'à la fin. Bah c'est pour le moment il y a qu'elle qui apporte le drama. The drama. The drama. The drama. My life. My life has no beginning. Mais la fesse n'oblique rien. C'est quoi ce mal? I wish. En plus, j'ai le même make-up que merde, du coup, je fais. Blou. Blou. Et je fais les yeux. Blou. Life. Je vais voir. With the beginning, middle, and no end. Ok, donc voilà. That concludes it pour notre épisode cette semaine. Alors, je vais mettre genre les liens de. Alice Cycle. Je vais mettre les liens de tous les réseaux sociaux d'Alice Cycle dans la barre de description en bas. Asso Alice Me. Et n'oubliez pas de liker, partager, montrer à vos oncles homophobes pendant cette période de fête, cette vidéo. And there's no such thing as bad publicity. Enfin, actually, there is. On va inclure aussi notre wishlist Amazon dans les liens dans la description. Et donc voilà, après, pour. Les soirées qu'on va faire 25 janvier, c'est la soirée Fugly. Fugly rageuse. Again? Oh my god, it's gonna be a shady, I mean. Yeah. It's gonna be something. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et encore les liens dans la barre de description en bas. And see you soon. Bye. Bye New York.